Eh bien bonjour tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui, après quelques jours de retard, de nouveau sur notre let's play de Zelda Twilight Princess HD. J'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois, nous avions ramené tout le monde ici, hein, avec Iria. Oui, bah j'arrive, je fais mon intro, excuse-moi, mais super, elle me téléporte en plus. Iria, le prince, et Thelma, qui avait l'air de nous faire beaucoup d'effets. Et du coup, bah, on va peut-être obtenir une magnifique récompense. Où est-ce que tu m'emmènes, toi? Je pensais qu'elle m'emmènerait jusqu'à la source de l'esprit. Mais en fait, on va ailleurs, là. Attends, c'est quoi? C'est la route vers le... Ah, mais oui! Le cimetière! Il y avait un truc au fond. Il y avait un insigne. Un emblème de Zora. Alors, c'est forcément ça. Qu'est-ce que... Attends, je prends pas du tout le bon chemin, bravo. Voilà. Ouh. Un passage secret. Je sais pas si on va pouvoir aller dans le donjon aujourd'hui, le fameux troisième donjon, parce que théoriquement oui, hein, mais bon, je me dis qu'il y a peut-être quelques petites surprises encore. C'est très joli ici. J'arrive, j'arrive. Il y a ces fameuses bombes aquatiques là, je vois des rochers, hein. Faut qu'on y pense. Qu'est-ce que je fais? Je vous remercie infiniment d'avoir sauvé mon fils. Bah, il n'est pas encore remis, hein. Mais bon, d'accord. Le village de Cocorico est le lieu de repos éternel de notre lignée. Feu mon mari, le roi Zora, repose aussi ici, et son esprit dort en ces lieux paisibles. Le fait que mon fils trouva son salut en ces lieux est sans doute un signe du destin. Ce que je vous avais promis se trouve dans cette sépulture. Mon époux fit confectionner de son vivant une tenue destinée au héros afin que celui-ci puisse bénéficier de nos pouvoirs. Ben voilà, une bonne tenue Zora, de quoi respirer et nager. Vous obtenez la tenue Zora, une tenue au pouvoir étrange, relique ancestrale de la famille royale des Zora. Revêtez-la et nagez comme un poisson. Attention, elle vous rend très sensible aux dégâts de feu et de glace. Alors ça, je savais pas du tout. D'accord. Il est temps pour moi de rejoindre mon roi dans mon sommeil sans fin. Néanmoins, mon fils ignore encore tout de mon sort. Si vous deviez le rencontrer, faites-lui part de ce message. Dites-lui de ne point pleurer le trépas de sa mère, qu'il doit être un roi bon et courageux pour guider notre peuple. Dites-lui aussi que sa mère le portera toujours dans son cœur. Superbe petite scène, superbe, c'était très sympa. Tu as trouvé tous tes amis et tu as même obtenu la tenue des Zora. Tu dois être content. Par contre, tu as oublié quelque chose de très important. Le dernier cristal d'ombre. Souviens-toi de ce que disait Firon, l'esprit de la lumière. Allez hop 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 au boulot. Il t'a dit que tu aurais besoin de cristal d'ombre, enfin des cristaux d'ombre, pour libérer ce monde de Xanto, le roi des ombres. Oui, bah on est dessus, hein. Si tu choisis de rester maintenant auprès de tes amis, tôt ou tard, tout recommencera. Allons chercher ce dernier cristal. Ok. Rends-toi au temple qui dort dans les abysses du lac Ilia. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, moi qui disais la dernière fois, bon, le scénario, il décolle pas trop pour le moment. On a surtout sauvé nos amis. Mais bon, si on ne met pas fin aux agissements de ce fameux Xanto, le crépuscule va revenir. Donc, il nous faut les cristaux d'ombre, bien qu'on ne sait pas trop finalement à quoi ça va servir, mais... Il les faut. Alors, on est bien d'accord qu'ici... Comment j'utilise cette tenue, en fait? Je plonge dans l'eau et j'ai la tenue, genre... Wouh! Je me change en un fragment de seconde. Pas du tout. Là, c'est là-haut. Oh, mais dites donc, ça veut dire qu'on va avoir trois tenues? On a déjà passé un potentiel tenue Goron, tenue rouge. Je sais pas. Peut-être que c'est pas du tout une tenue qu'il y a là-haut, mais... On verra plus tard. Tenue Zora.
Pas mal, pas mal. Tu as une certaine classe. Voyons voir. Ok, on nage assez bien. On respire sous l'eau, hein. Et du coup, vous voyez, problème de rocher là. Il y a clairement, là, il y a clairement quelque chose. Vous foutez pas de ma gueule. On va aller chercher ces bombes aquatiques. On va aller en acheter. Et on va revenir ici, hein, on va quand même vérifier. Puis il y avait aussi... est-ce qu'on peut marcher tranquille avec ces palmes là? Il y avait aussi un rocher dans la source, la source de l'esprit, juste à côté. Tu vas me dire qu'il peut courir avec ses palmes, gentiment. Bon, apparemment oui. Ça doit pas être facile facile, mais il y arrive. Très bien. Vous voyez, moi j'étais prêt à faire une supposition, genre on passe le passage secret, t'arrives au fond de l'eau et tu ressors ici, grâce à une échelle. Tu ressors du puits. Bon, théoriquement, du coup, là, il faudrait que je retourne au lac. Mais c'est tout, ouais, c'est tout. J'avais dit que j'aimerais bien voir la meuf aux insectes aussi. Et j'y suis pas allé. Bien que, si j'ai bien compris, à chaque fois que tu lui ramènes des insectes, tu lui donnes de l'argent. Or, l'argent, j'en ai pas mal, et j'aimerais éviter d'être trop full. Mais commençons par les bombes. Faudrait que je remette ma lanterne ici. On avait déjà fait le délire de la lanterne en plein dans cette boutique, mais il paraît qu'il y a un autre délire. Tentons l'expérience. Mais t'es fou, c'est dangereux, surtout pas de feu ici! Ok, bon, c'était moins drôle que prévu parce qu'on l'avait déjà fait. Salut, je t'attendais! Mate un peu ça. J'ai finalement mis au point mes hydrobombes. Mate, ces beautés, elles explosent même sous l'eau. Je suis génial. T'en veux? Je suis sûr que tu pourras pas t'en passer. Vas-y, jette un œil. Alors, hydrobombe, utilisable sous l'eau, vendu par l'autre 5, 30 rubis. C'est quand même pas donné. Je vois que ton sac de bombes contient un autre type de bombe. Au comptoir d'à côté, je te rachèterai les bombes dont tu ne veux plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon gars? Au comptoir d'à côté. Mais il est où le comptoir d'à côté? Bah, c'est quoi ton délire? Bienvenue au comptoir des rachats. Vous avez des bombes à revendre, puis-je regarder dans votre sac? Je vous reprends 11 bombes de ce modèle de bombe. Ok. Donc en fait, tu ne peux pas avoir les bombes classiques et les bombes aquatiques en même temps. Et en plus, tu retournes là-bas. Super pratique, tes deux comptoirs. Super pratique. D'accord. Bon, on va se prendre des bombes aquatiques. Bien que ça... En fait, ça se trouve, tu peux tout à fait utiliser les bombes aquatiques à l'air libre. Ok, ciao. Ciao. Parce qu'il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'elles peuvent aller dans l'eau qu'elles peuvent pas exploser à l'air libre aussi. Donc, t'as plus besoin des bombes classiques. Donc au pire, c'est peut-être pas grave si on peut pas les mêmes, enfin les mettre en même temps dans ce fameux sac. On va vite le savoir, on va vite le savoir. J'en gaspille une comme ça. Il a rien senti. Et apparemment, effectivement, on peut très bien les utiliser comme ça, donc pas de problème. Donc déjà, on retourne au niveau de la source. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, à la citadelle, il y avait un type qui nous demandait de l'argent. Il faudrait que je dépense un petit peu d'argent là-bas, puisque c'est vrai que j'ai pas tilté sur le moment, mais il veut de l'amour. Amour égale cœur, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est forcément pour un fragment, c'est vrai que c'était évident. Et du coup, bah, autant dépenser mon argent là-bas, puisqu'à chaque fois, je me plains d'en avoir trop en ce moment. Tac, tac. Comment ça fonctionne? Ouais, vraiment comme les autres, sauf qu'on est tellement lent qu'il faut faire gaffe de pas exploser avec, hein. Ah. Bah d'accord. Ok, c'était juste pour de l'argent. Ça me va, puisque je dois en donner au petit vieux. Enfin, d'ailleurs, qui était pas si vieux que ça. Il était pas si petit. Voilà, il était vieux, mais il était pas si petit. Nuance. Bon, bah ça c'est fait. Super. On va retourner au cimetière, puisqu'il y avait des rochers à péter.
Et bah, j'ai bon espoir d'y obtenir un autre fragment de cœur. Tiens, j'ai toute ma vie qui est revenue. C'est agréable. Donc on fait ça. On fait un rapide détour à la citadelle. Parce que c'est sur la route. J'ai envie de vous dire, c'est sur la route. Je peux pas me téléporter, je peux pas être un loup. Donc ça, c'est la grosse déception. Mais sur la route, il y a la citadelle. Donc on s'y arrête pour donner de l'argent à qui bien, qui voudra bien lui qu'on lui donne. Hein, prenez mon argent. Et on voit... Attends. Je rêve ou j'entends un insecte? Mais on l'a déjà pris, cet insecte. Fourmi mâle. Vous avez déjà attrapé cet insecte, vous pouvez le laisser partir. D'accord. Je sais pas pourquoi on t'en redonne un, finalement. Je sais pas. Est-ce que, en fait, le principe, si j'ai bien compris, c'est que ces insectes, tu les vends. À la meuf aux insectes. Mais peut-être que tu peux en recapturer pour en revendre. C'est pour ça qu'ils t'en remettent. Je vois que ça. À moins que il y ait une qualité d'insecte. Genre, elle va le regarder, tu vois, elle va dire « Oh, sérieusement, tu m'amènes ça ?» Puis elle te l'écrase sous tes yeux, tu sais, genre... Alors, on va essayer quelque chose. Le lancer de bombe. Ok. Ça fonctionne. Et sous vos yeux... Mais quoi? Ah non, c'est une grotte. J'ai cru qu'il n'y avait rien du tout. Attendez, parce que là, on découvre encore un nouveau truc. On va se retrouver dans une grotte, comme la dernière fois, la tortueuse, avec des... Quoi? Mais c'est scandaleux, votre histoire. Montrez-moi la carte. Montrez-moi la carte. Montrez-moi la carte. Par quelle magie suis-je arrivé ici? Ma foi, ma foi, ma foi. Écoutez, annulez. Annulez tout. Non, mais moi, je veux dépenser mes sous, là. Écoutez, on a eu des épisodes de retard, donc je veux bien qu'on avance dans l'histoire, et du coup, on va faire une ellipse. Une ellipse citadelle. D'accord? Attendez. Ok. On est bien d'accord qu'il y a un coffre là-haut, on l'avait déjà vu. Mais est-ce qu'il faut pas tirer une flèche dans ce truc doré là-haut? Je sais pas, attendez, je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'on va pas faire d'ellipse citadelle, parce que... Je veux dire, on est là, quoi. Tant pis pour les sous, tant pis. Oui, c'est bien moi qui ai dit tant pis pour les sous. Mais c'est trop dommage là, on te propose un raccourci magique. Non, c'est pas un truc ça? Ma foi. J'ai cru que c'était un œil, ça ressemblait aux espèces de yeux qu'on voyait dans Ocarina of Time et dans Majora's Mask. Mais en fait non. Attendez, mais le fond du lac Ilia, c'est ici du coup? Je suis perdu! Annulez tout, là, c'est pas possible. Va au fond, voilà. D'ailleurs, va même pas au fond, nage et observe. Voilà. Observe le lac, sois le lac, vis le lac. Ah oui, il y a des choses à faire, là, regarde ça. Il y a des jolies choses. Il y a un Zora. C'est un Zora que je vois, c'est pas un ennemi, hein. Ça doit être le donjon, du coup. Bah écoutez, on y va. Voilà, annuler l'ellipse. Annuler l'ellipse, tant pis. Est-ce qu'on peut parler aux Zora qui nagent? Attends, il y a un truc. C'est encore des rubis. Je l'ai vu. Eh oui, c'est encore des rubis. Vous êtes pénible. Toi, là-haut. Toi, parlez. Oh, puis si, il y a un autre truc aussi. On avait reçu une lettre d'une... Enfin, la meuf avec une grosse coiffure afro qui avait un jeu à faire, voilà, en haut de la rivière. As-tu remarqué ces bulles qui s'élèvent depuis le temple abyssal? N'approche pas, c'est dangereux. Le courant est très fort et il emporte tout vers la surface. Bon, ok, on va pas y mettre les pieds, y a pas de problème. Ou alors c'est simplement un chemin plus rapide pour aller tout en haut. Toi. Sire, vous portez la tenue du héros dont parlaient les légendes de mon peuple. Se pourrait-il que vous soyez...
Quelle rencontre fortuite. Il se trouve que je suis un artisan en explosif. Veuillez me pardonner, mais auriez-vous connaissance des hydrobombes? Ce sont des objets ô combien dangereux, mais je pense que vous sauriez en faire un usage approprié. Si vous, ça vous convient, je vous demande la modique somme de 90 rubis pour ces quelques hydrobombes. Écoute, donne. Si vous veniez à tomber à court d'hydrobombes, n'hésitez surtout pas à faire un nouveau appel à mes services. Bon, super. C'était une grosse arnaque puisque j'en avais déjà beaucoup. Bien. J'aurais dû au moins utiliser les bombes sur les cailloux à côté. Mais bon. J'avais peut-être espoir que d'un coup, il me propose un sac. Tu vois, un sac de nouvelles bombes. Mais bon, non, c'est pas grave. On s'en fout. C'était pour dépenser un peu parce que je vais trouver des rubis dans le donjon. Et j'en trouve même ici. Franchement, oh là là, mais la richesse est de nouveau mienne. Alors, je sais pas si plus tard, on a besoin des rubis. Mais pour le moment, on en trouve facilement. Vraiment, très facilement. Mais regardez cette richesse, cette richesse. Alors, comment je vais là-haut? Est-ce que je mets ma... Ah, je mets ma bombe là-dedans. Tu vois? Vas-y, envole-toi, bombe. Ça marche pas très bien. Voilà, bombe s'envole, bombe s'envole. Bombe s'envole. Ouverture du donjon. Mention très bien. Et là... Oh, ça va, c'est pas si rapide. J'ai pas parlé à l'autre Zora. Vais-je le regretter? Vais-je le regretter? Oui, je le sens. Ok, on y va. Temple de l'eau. Théoriquement, temple abyssal. Je sens que ça va être rigolo. On va mettre du temps, on va mettre du temps. Je le sens mal, mais c'est pas grave. Nez qui gratte, le stress monte. C'est joli en tout cas. Quoique, quelle est cette horreur? Alors le problème, quelles armes fonctionnent sous l'eau? Uniquement les bombes? Oh là, oh là, oh là, oh là. Mon épée. Mon épée fonctionne. Hein. Voilà, pourquoi chercher compliqué. Très bien. Très bien, don't panic. Allez, encore des rubis et des rubis. Oh là là, caméra. Qu'as-tu fait, caméra? Oh là, mais stop it. Arrêtez tout, hein. Il y a un truc électrique. Mais qu'est-ce que... Mais il n'y a rien d'électrique. Bon, c'est peut-être juste au-dessus. Là, j'ai l'impression que ça monte. Nez qui gratte. Cam qui s'arrête. C'est bon, on est tous sauvés. Oh non, pas les méduses électriques. Pas les méduses électriques. Ne me faites pas ça. Temple abyssal. Ça s'annonce rigolo. Je sais pas pourquoi je l'appréhende beaucoup là maintenant que j'y suis. Enfin du coup je l'appréhende pas, je suis dedans. Je stresse, dégage toi vieille globule. Toi aussi. Oh là. Remplir. Mais je veux bien remplir, mais dis-le moi tout de suite. Est-ce que c'est utile? Franchement, je sais pas. J'ai pas eu besoin de ma fée jusqu'à présent. Donc on va virer la fée et prendre de la gelée. Quoi que ça doit être pour les popos, c'est pas très intéressant les potions. J'aurais dû garder ma fée du coup. Waouh, je l'ai eu au moment de la disparition. Gelée chuchu rouge. À boire pour récupérer 8 cœurs. Ouais, donc finalement, ma fée était tout aussi sympathique. Puisque elle me protège d'un chaos.
Après, quand tu rentres dans un donjon et qu'on te propose de la gelée qui régène 8 coeurs, c'est peut-être que ce donjon va faire mal. Ce serait pas étonnant. Par contre, lui, je sais pas ce qu'il fait. Boîte à la gelée, là, pour qu'on voit ce qu'elle fait, elle. C'est quoi, gelée chuchu noire? Violette. Pour la boire, si ça vous tente. Super. Bon, bah écoutez, on est content. Elle doit bien servir à quelque chose, mais on le découvrira en temps voulu. Très bien. Alors là, on est bien d'accord qu'il faut sauter pour activer ça. J'ai l'impression de pas être vraiment dans le donjon encore. Et pourtant, ça me semble déjà... Je sais pas. J'appréhende un peu. Voilà. Ouh. Sympathique. Ok, donc tu fais péter des bombes sur les trucs. C'est dangereux par ici. Tu ne crois pas qu'il serait plus prudent de faire tomber les stalactites d'abord? Elles n'ont pas l'air très solides. Je suis sûr qu'un bon choc devrait suffire à les faire s'écraser au sol. Pas de problème. On va combiner nos machins choses. Voilà. Dégage. Bon alors, moi, il y a toujours le stress de... La carte et la boussole, quoi. J'ai pas envie de rater le tampon. Voyez-vous, c'est quand même l'objet qu'on veut tous récupérer. Non, je n'ai pas envie de rater mes fragments de cœur. Et puis, les rubis, bien sûr. Oh, qu'est-ce que tu es, toi? Ouah, il me fonce dessus. Tiens, coup d'épée dans le fessier. Non, coup d'épée. Ah oui, attendez. J'avais mes bottes secrètes. Bon, on a un peu raté. Je suis très mauvais. Tiens, attends. Tiens, ça marche pas. Ok, j'ai pas du tout... Oh! Très bien. J'ai pas du tout réussi à faire la botte secrète. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, là? Ça, tu vas pouvoir le mettre sur des interrupteurs ou des choses comme ça. Bonjour! Il n'y a pas assez de place pour... Bon, reste là. Nous embête pas. On va continuer, nous, hein, ok? Là où il y a un petit coffre rouné. Qui va contenir encore des hydrobombes, hein, parce qu'à mon avis, on va t'en donner plein tout le long. Voilà, merci. En même temps, on peut en porter que 15, j'ai l'impression, pour le moment. Donc, c'est pas beaucoup, hein. Oh, des flèches, on adore tout ça. Très bien, j'avance. Oh là. Alors là, si ça fait pas totalement penser à la salle... Oh, on dirait un mix de Majora et Ocarina of Time. Genre les niveaux d'eau et les courants. Je vais m'amuser là. Je le sens déjà. Salut, toi. Au revoir, toi. Ça fut un plaisir. La jolie petite porte ou nette. Bien décorée. Alors, attends. Il y a un coffre en haut. Je l'ai vu. Là-bas, on a besoin d'une petite clé. Et là... Quoi, là? Marche pas, ça. Saute. Comment je fais pour l'attraper s'il saute pas? C'est terrible! Quelle idée!
vais pas l'attraper, toi. Il est immense, ce temple. Je sens que trouver cette clé ne va pas être d'une partie de plaisir. S'il te plaît, fais-moi plaisir et évite de te perdre, d'accord? Ok, c'était gentil. Ah, mais attends, en bas, je peux y aller, non? Attends, c'est trop bizarre, cet escalier, là. Le but, c'est de sauter pour l'attraper. Bon, on va dire que c'est normal. Oh, un coffre de l'autre côté. Mais je comprends rien à cette salle. Ça me fait peur. Il y a un coffre en bas, là. Allez, vas-y, vas-y, c'est la carte. Non, parce que... Mais c'est terrible, votre truc, là. Comment je vous tue, vous? Je peux pas. Remets tes bottes en raccourci. Y'a quoi tout en bas? On va faire par étapes, on va aller tout en bas et remonter. Y'a peut-être un coffre qui se planque. Y'a l'air d'avoir un truc sur la carte, tu vois? Non, y'a rien du tout. Y'a rien du tout. Bon, va falloir un petit peu de temps, je pense, pour s'habituer. Tu peux aller au truc, là? J'ai même du mal à nager, je vais vous dire. Vas-y, 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 grimpe, grimpe, grimpe. Voilà, tu risques plus rien. Maintenant, en bas... Il y a l'air d'avoir que dalle, donc remonte. Ok. Oh, mais j'avais pas vu, là. Non, je peux pas les atteindre. Comment atteindre ce coffre-là? On va faire le tour de l'autre côté. Là, je peux rentrer. Là, j'ai une salle où je peux rentrer. Mais faire le tour me permet-il d'atteindre... Non, j'atteins un petit coffre nul. La déception. À moins qu'il y ait un truc à activer avec les flèches. Et je sais pas, je vois pas. Je vais avancer dans la seule salle que je peux ouvrir. Il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant, c'est la seule que j'ai vue. À moins que ce soit la salle du début, ici. Non, non, c'est pas la même salle. Oh, mais va-t-on obtenir le grappin? On dirait une cible de grappin, ça. Ça m'étonnerait pas. C'est souvent dans les temples de l'eau, non, le grappin? Salut, petit monstre inutile, ça va? Merde, tu n'es pas si inutile que ça. Attends, dégage. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, c'est un truc avec l'eau. Quel enfer! Ok, ce qui est pas mal, c'est que c'est vraiment un donjon qui a l'air de changer de style. C'était assez linéaire jusqu'à présent. T'avais une porte, une énigme, un monstre. Bref, t'avançais. Là, j'ai l'impression d'avoir plein de chemins différents. Plein d'options qui s'offrent à moi. Tu veux pas tirer là-dessus, toi? Non? Je sais pas. On va remonter parce qu'on n'a pas fait le tour en haut. Il y a peut-être une autre salle, un autre truc. Attends, peut-être que... Autre solution, peut-être. Non, est-ce que je peux... non, mais comment j'attrape ça? Je sens que c'est le truc stupide, ça. Mais non, je peux même pas faire le tour. Il y a des grilles de partout. Non, mais attendez, c'est forcément ça, là. Mais saute dessus, attrape-le, fais quelque chose. Tu peux monter là-dessus? Non, il monte pas là-dessus. C'est pas vrai, cette histoire. Quelle est cette blague? Quelle est cette blague? Est-ce qu'il y avait un truc en bas que je n'ai pas vu? Il y avait un coffre hein, qui me paraissait très sympa, là. Mais il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Ah, là, 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 je vais pouvoir sauter et attraper ça.
Là, je vais pouvoir. Ça y est. Oh là 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 là. En plus, il te tourne l'escalier. Mais quelle idée. Ok, donc là, je passe de l'autre côté parce que tout en haut, il y avait deux grilles. Donc, on peut avancer. Ok, bon, on avance, hein. Doucement, très doucement. Oh là là, il faut une clé, mais c'est pas vrai. Attends, c'est un coffre là-bas? Non, c'est un... Oh, Baba! Viens là, je vais avoir besoin de toi. Ok. Merci. Je pense qu'elle va être utile, parce que quand je vais vouloir sauvegarder pour arrêter, sauvegarder dehors, tu vois, enfin, bref. Ou même sortir parce que je suis paumé. Ce sera peut-être utile. On fait le tour de l'autre côté. On espère qu'il y a une porte qui s'ouvre sans clé. On espère très fortement qu'une porte s'ouvre sans clé, magnifique. Et qu'on puisse continuer à travers ce truc. Non mais Adlo. Ma déception n'a pas de limite. Alors j'espère que je suis pas censé pouvoir passer par là et que je sais pas encore comment on fait. Attends, là je peux sauter donc. Il va peut-être se passer des choses. Hop! Waouh, 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 on se fait un peu arracher les jambes là. Hein. Ah, est-ce que je suis pas du côté du coffre? Ok, c'est bien, ça avance. C'est bien, la carte. Donne-moi la carte, donne-moi quelque chose d'intéressant, s'il te plaît. Merveilleux. Carte du donjon, ce sera déjà pas mal. Carte. Oh god. Oh god. Mais comment on a fait pour augmenter d'un cran comme ça la difficulté dans le donjon? Bon. C'est pas de refus, mais... C'est surprenant. Parce que les deux premiers étaient très simples. Tiens, salut toi. Je veux bien essayer de prendre une revanche. Voilà, j'ai fait une jolie glissade. Bon, ça m'a pas empêché de te rater. Mais... J'ai combattu comme il le fallait. Alors, que proposez-vous ici? Un chemin... Oi, 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 oi. C'est raté. J'ai l'impression qu'il y a un système de balance. Là, il y a un pont flottant. Donc il faut bien monter le niveau de l'eau. Est-ce que ça serait pas dans cette salle, justement? Je suis en train de voir là, mais la torche, elle est comme sur une cible de grappin. Donc c'est peut-être pas le grappin, c'est peut-être juste de la déco. Enfin non, c'est quand même bizarre parce qu'on le retrouve là. Bizarre, bizarre. Tiens, là déjà. Quoi? Rah. Problème de caméra et de cerveau à l'envers. En fait, ça bouche les petits geysers. Ah non, ça met des rochers dessus. Encore mieux. Et du coup, je peux passer. Attends, 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 recule un peu. Oh là 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 là, on a failli tomber. Non, ça se casse pas, hein, ok. Et en fait, avant, il y avait le geyser et je pouvais pas sauter, passer. Hein. Mais ok, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Détendez-vous. Il y a un gros coffre là-bas. Il y a un magnifique gros coffre. Qui contient... Qui contient... Qui contient... Oula. Qui contient... Une clé. Ok. Bon, très bien. Ça me convient. Bah du coup, je pense que c'est tout pour cette salle. Parce qu'il faudra revenir quand on aura monté le niveau d'eau. Ce qui n'est pas encore le cas. Ouais, beaucoup, beaucoup moins linéaire, ce donjon. C'est pas pour me déplaire. Donc là, il faut retourner. À quelle porte on avait trouvé un endroit avec une clé? C'était où? Parce que... C'était dans la salle précédente, je suis bien d'accord.
Mais c'était à quel niveau, tu vois? En haut, en bas, escalier vers la gauche, vers la droite. Bonjour. C'est le moment, là, c'est le moment. Non, toujours pas, bon. Un jour, je saurai le faire. Alors, ici, c'est non. Est-ce que c'est là-haut? Aïe! Est-ce que c'est là-haut qu'il y avait besoin d'une clé? Cassez-vous. Il va falloir ressauter là pour activer je sais pas quoi. Clé! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je choisis cette porte. Très bien. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle salle palpitante. Dégage. Qu'est-ce que quoi? Ah 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 ah! Ça sert à rien. J'ai voulu faire péter un truc avant d'ouvrir ce coffre parce que je suis pute des bombes. Merveilleux, n'est-ce pas? Et la cam va encore s'arrêter, mais c'est pénible. Vous êtes pénible, mademoiselle. Merci. Alors, c'est très gentil, cette histoire. Je suis vraiment très content. Putain, il y a de la jolie chuchu bleue. Je sais pas ce qu'elle va faire encore. Je suis vraiment très content d'être apparu jusqu'ici. Voilà, parce que... Voilà, cette salle, c'est la salle. Tu vois, c'est la salle. Mais elle sert à que dalle. Ah, ah, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, respectez la salle et la salle vous respectera. Tout se passe bien. Présentez vos excuses à la salle. Eh, pas vers la droite, merci. Je sens qu'on va activer l'eau. Je sens que le fun arrive. Pas du tout. Annuler le fun. Attends, on va profiter. Quoi? Non, 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 foutez le camp, vous. Attends, là-bas, il y a une porte, mais il y aura besoin d'une clé. Non, pas du tout. Il y a des portes de partout! Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Pardon, on va commencer par celle-ci. Mmh. J'aime beaucoup faire ça. Ok, je pense qu'en fait, ça va juste de l'autre côté, on est bien d'accord, mais qu'on peut peut-être ouvrir un raccourci. Peut-être. Oh, pop, 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 pop. Toi, toi, tu détiens la vérité. Montre-moi la vérité. Pas mal. Pas mal, la vérité est avec nous. On aurait pu regretter d'aller dans l'autre pièce et ne pas avoir la clé. On aurait pu. Mais finalement, non. La clé est venue jusqu'à nous. Oh, 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 oh. Calmez-vous tous, là. Ok, bon, bon, bon. Très bien. Autre porte. Surtout que la salle qui est à droite sur la carte, là, elle a l'air de faire une boucle, donc on va revenir. Cassez-vous. Cassez-vous. Oh là 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 là, qui êtes-vous? Mais quoi? Mais ça va pas, qu'est-ce que c'est? Une grosse bulle d'eau. Est-ce que je peux te sortir de la bulle d'eau avec un courant d'air? Où est mon courant d'air, là? Apparemment, non. Est-ce que simplement... Évidemment. P
parfait. Ah bah on a bien fait d'aller de l'autre côté, parce que regarde ça, là on aurait été tellement déçus, mais tellement. Et voilà. Et là c'est la salle de l'eau magique, là c'est la salle où tu vas augmenter le niveau. C'est sûr. Alors comment t'y vas, ça je sais pas, hein, ça c'est une autre question à laquelle on va trouver réponse bientôt. Ça suffit les rubis. À moins qu'il y ait un coffre magique en bas, mais j'ai pas l'impression. Ok, ok, ok. Ah, putain, on monte dans les étages, c'est pas bon ça. Enfin, pour me perdre, c'est bien. Bah dis donc, on monte très très haut, ça me donnerait presque le tournis. Ah, ok, 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 ok. Aïe! Donne-moi des bombes aquatiques, donne-moi des bombes aquatiques, donne-moi des bombes aquatiques. Merci. Toi tu dégages. Et une échelle. Ok, l'eau est parmi nous. L'eau est parmi nous. Mais comment? Tu vois, 100% c'est le grappin là. Il faut prendre le grappin sur ce truc. Et tu vas chercher le coffre. Retenez l'emplacement. Retenez l'emplacement. Ouh, comme c'est rigolo. Ah, le fun est remonté d'un coup là. Et voilà, d'où les cibles de grappin, encore une fois, là-bas. Après, tu mets tes bottes de plomb, là. Et t'avances, hein. Lâche. Et du coup, tu dois pouvoir atteindre ce truc magique, ici. Ce truc magique, qui va débloquer l'eau dans les salles précédentes. Bah voilà. Et bah voilà, on progresse. Ok, attends, attends, j'arrive jamais à tranquillement remonter. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh là là, c'est catastrophe, hein, parce que... C'est catastrophe. Bon, vous savez quoi, on a activé l'eau, je pense qu'on va pouvoir se faire une pause, à moins qu'un ennemi me saoule. Je vais me mettre là. Puis d'ailleurs, on va ressortir par là, puisqu'on avait autre chose ici. Ok, très bien. Très très bien. On se laisse là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il est très en mode concentration, hein. Je dois être comme ça tout le long. Mais bon, je trouve que le temple est cool. Il a l'air assez complexe. Et peut-être que je vais avoir des difficultés. Et bien, c'est tant mieux, c'est tant mieux. On se retrouve bientôt, je l'espère, voilà, s'il n'y a pas de retard impromptu de nouveau. Et puis d'ici la prochaine fois, bah, portez-vous bien. Voilà, allez, bye bye tout le monde.